Héreux, hein. Voilà. Allons au désert. Et sec, c'est le désert. Oui, merci. Oh, il y a des traces. Montre le son du jeu. Regardez-moi ça. Des traces d'animaux. Je me demande où elles mènent. Le son est pas assez fort, là? Voilà. C'est mieux? J'espère que ça va être bon. Et que ça va pas être trop fort cette fois, du coup. Vas-y, on va suivre les traces. Ça va? Bon, bah nickel. Il y a des traces de roues en même temps, hein. Je vais continuer à suivre ces traces là. Ok. Ça va nous emmener où cette merde? Putain. Ça va jusqu'où cette merde? Ok. Je m'ennuie déjà avec Pousse Pousse. Ah mais c'est ça qui est bien. Ok. Incroyable. Bonjour. Un vrai puma. Bonjour monsieur les le puma. Les pumas naissent tachetés, mais leurs taches disparaissent lorsqu'ils grandissent. C'est tout? Bon bah, on se casse. Ah, faut faire le marche arrière du coup. Et si on va par là? Ok, suivons les petites traces là. Allez hop là, au revoir le chef. Arrêtez de faire vos promos. Waouh, un chien de prairie. Attends, mais ça sert à rien en fait de venir là. J'ai effacé le chat parce qu'il y a des gens qui font leurs petites promos. Attends, mais je sais pas du tout où faut que j'aille. On va aller par là, c'est les dernières traces. Mais on va être perdu là, c'est un peu plus. Regarde, un coucou coureur. Attends, mais les sérieux. Les coucou coureurs passent le plus clair de leur temps au sol. Ils volent très rarement. Quel emmerdeur. Tac tac tac. Attends, on va suivre les. Attends, mais comment je vais pouvoir repartir d'ici moi? Ok. Je vais re-suivre ces traces là à l'inverse. Je pense que le désert il sert à rien. Ça marche, bisous Biter. Bonne promenade. Putain, mais ça servit à rien. Ah bah oui. Je suis pas une agence de pub. Ok. On va enfin changer cette putain de musique. Donc le désert, oh, on n'y retournera pas. Nous voilà. Oh la calculette. C'est ma calculette. Dis donc toi, tu voudrais pas me la lancer s'il te plaît? C'est à moi. Et dans le coffre, et le coffre il va tomber. Et se refermer. J'imagine qu'il veut plus l'ouvrir. Oh non! Cette malle est fermée à clé. Heureusement qu'on a un super trousseau de clés. Quelle clé dois-je utiliser? Sérieusement. Je sais pas du tout. Genre, le choix entre ces quatre clés regroupées qui ressemblent pas au symbole et cette clé uniquement éloignée qui a exactement le même symbole. Yes! Merci Lucas pour le conseil. Allez, on a un objet déjà. Impeccable! J'ai retrouvé ma calculette.
Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver Peps, ma boîte à pique-nique et ma rédaction d'histoire. Comme ça, le professeur pourra fermer la porte du temps. Mais du coup, un truc que je me posais comme question. Étant donné que le temps ne peut... On est obligé d'aller chercher nos objets parce que le temps, il peut pas revenir normalement. En avant toute pour l'ancienne carrière. J'ai un peu de mal à comprendre là. Salut Noctabi, ça va? Moi ça va. Y'a un truc à faire ici ou y'a rien à faire? Et maintenant le champion du monde de boxe dans la catégorie souris, Tricky Cheese. Ok, d'accord. Attends, tu fais le tour du monde pour un... Oui. Nous sommes en route pour la gare de Rustin City. En gros, pour vous expliquer l'histoire. Pour expliquer l'histoire, il y a un mec qui a fait une porte pour voyager dans le temps comme ça là. Et sauf que toutes mes affaires d'école elles sont allées dedans. Et le mec il nous a dit on peut pas. Il nous a dit qu'on pouvait pas. Comment dire? On pouvait pas refermer la porte tant que les objets du passé, enfin de notre présent, étaient dans le passé. Et du coup, on est parti chercher tous nos objets. Mais là ce que je comprends pas c'est qu'on prend plein d'objets de toutes les époques et on les emmène avec nous. Du coup, c'est pas très cohérent quoi. Et il était par où le Brachio par là? Parce que là, du coup, par exemple, le foin qu'on a pris à l'époque western là. Là, on va lui donner à lui. Mais du coup, c'est plus la même époque. Il aime ça. D'accord. T'aurais dû parier tes olipetés en voliveur qu'il aimait ça, je te le dis. Ce gars-là est herbivore à 100%. Ouais, par contre, on pourrait pas le mettre ailleurs. Non, parce que là, il me fait encore chier, en fait. Oh, il me casse les couilles. Mais d'où tu ouvres un portail universel? Oh, bah écoute, c'est les scientifiques, ça. Bah voilà. Putain, je peux enfin l'apprendre. Maintenant, je peux reprendre ma rédaction d'histoire. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucun dinosaure méchant. Et que là, tous ceux qu'on voit, ils vont mourir. Ok. Gagné! Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver Peps. Et ma voix. Ah oui, j'ai perdu mon chien aussi. Le professeur pourra fermer la porte du temps. C'est vrai que c'est important. Allez! Du coup, il faut encore qu'on trouve. On va utiliser le truc de, avec l'huile là. Pour aller. Pour aller graisser la porte du château. Allez, roule. Il y a une époque où on n'est pas allé encore. Hein. On n'est pas encore allé dans le futur. Et en plus, tu veux une voiture, tu le voulu. Ah, mais t'inquiète, bientôt il y a un truc qui va s'écraser chez les dinosaures et tout le monde va mourir. Allez, allons-y, chers concitoyens. Allons graisser la porte du château. Bonjour. Et continue d'essayer, hein. Je devrais pouvoir ouvrir la porte rouillée avec ceci. Poussez-vous, monsieur. Voilà. Ah, il va remettre la petite goutte à la fin. Waouh. Yes. Mille et un merci à toi, Pouce Pouce. Je ne serai pas en retard pour écouter l'histoire. L'histoire? Quelle histoire? Oh putain, il y a encore plein de pièces. Bonjour toi. Je suis le joyeux bar de Max Bennington qui aime jouer du luth. J'aime bien aussi la cornemuse, mais je sais pas jouer de la flûte. Waouh. Passionnant. Salut Charlie, heureux de te revoir, Pouce Pouce. Vous allez être bien servi, car Sir Trapdur, mon ami que tu aperçois là-bas, Sir Trapdur, est le plus gentil forgeron du monde. C'est la vérité. Bonjour, pourquoi il y a un dinosaure? Ah non, c'est un dragon, ok, autant pour moi. Bonjour, Sir Trapdur, et écoutez-moi.
Mes salutations, étranger. Étranger. Je m'appelle Pousse Pousse. Je cherche mes affaires. Prends tout ton temps. Mon atelier est à toi. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Mais merci. Bien sûr. Ok, donc là, il y a du bois. Charlie Chariot a livré une énorme quantité de bois. Il n'y a que trois rondins. Ce Charlie Chariot, il est si serviable. Ok. Bon, on va... Il y a un forgeron. Il y a quoi là? C'est la princesse, non? Oh! Oh putain, c'est un truc de blague. Raconte-nous une histoire sur les agneaux. Ils sont si mignons. Je suis si heureuse que tu sois venu écouter l'histoire. J'ai très peur de la blague. Moi de même, merci. Allez, balance. Sois le bienvenu, étranger. T'écris blague sur le livre. Je m'appelle Pousse Pousse. Moi, je suis le roi Carotte. Tu tombes à point nommé pour entendre l'histoire extraite du recueil de Black Royal. Oh, quelle chance! Par laquelle vais-je commencer? Le roi Carrosse. Nous commencerons dès que j'aurai trouvé un bon passage. Celle-ci est astucieuse. L'enfant de mes parents n'est ni mon frère, ni ma sœur. Yes. Je donne ma langue au chat. Bah c'est moi. Eh bien c'est moi. Allez, une gorgée, merci Lert. Ah non, c'est Lucas. Merci Lucas. Et merci Lert du coup pour le défi. Voilà, on a écouté la blague. Maintenant on se casse. C'était de la merde. Il y a quoi là-dedans? Oh putain. Bonjour, je m'appelle... Ne me dis rien. Ah oui, tu viens certainement du futur. Comment le savez-vous? Tu n'es pas le premier que je rencontre à venir d'une autre époque. Je m'appelle Merlin. Merlin, le magicien? Waouh! Tu viens d'une époque très lointaine. Et comme tous les voyageurs, tu cherches certainement quelque chose. Tout à fait. Oui. Je suis sûr, mon ami, que tu trouveras tout ce que tu cherches. J'espère que vous avez raison, Merlin. Il m'a rien dit de spécial, ok. Moi, je veux voir ce qui va sortir, en fait. Ah, y'a rien. Ouais, je me casse, hein. Laissons Merlin. Y'a quoi par là? Oh, y'a Peps! Peps, te voilà! Oh, le pauvre! Yeah! Ne t'amuse pas à sauter, surtout! Ça pourrait être dangereux! Attends, je peux peut-être venir te chercher! Mais comment? Ouais, voilà. Non, je n'y arrive pas, désolé. Pas de panique! Je vais trouver un moyen de te faire descendre. C'est promis. Bon. Ok. Bah j'imagine qu'il faut être dans le futur. Allez, on y va. Rattrape-le dans sa chute. Écoute, t'as déjà rattrapé quelqu'un qui sautait de genre deux étages? Je peux t'assurer que tu rattrapes pas grand chose. Bon après certes on a une voiture. Wouhou. Le futur. Wow. Oh c'est moche. Dans le futur. Je me demande en quelle année on est. Bonjour Pousse Pousse. D'accord. T'as jamais arrivé qu'une personne saute du deuxième étage? Oh, j'ai jamais vu. T'as jamais vu ça? Je peux t'assurer qu'il y en a qui ont déjà eu l'idée. Hein. Alors. Oh là là. C'est très malaisant comme ville. J'aimerais pas vivre là-dedans. Alors. Qu'est-ce qu'elle fait elle? Machine à couleur. Ah putain, c'est pour me repeindre. On va te remettre en rouge.
jolie chose sur quatre roues que j'ai jamais vue. Que puis-je faire pour toi? Je m'appelle Pousse-Pousse et je viens du passé. Je jetais un coup d'œil à votre machine à couleurs. Commençons par le début. Tu peux m'appeler Miss Electron. Et ensuite, cette machine est la meilleure. Elle peint des objets de toutes les couleurs. Alors, approche-toi et essaie-la si tu veux. Oh oui, j'aimerais bien. Allez, go! Regardez-moi ça! Et futur, mon ami, après on sera des voitures. Ah oui, c'est vrai. Le Fantomatic 3000 vous souhaite la bienvenue. Rouge! Ouais, c'est ça. Ya! Yeah. Analyse en cours. Opération peinture commencée. Quelle machine! Et voilà! Opération peinture terminée. Nous espérons que cette expérience vous a plu. Ça me va bien! Ah, il adore mater son boule, le petit pouce-pouce. Que pensez-vous de votre. Allez. Oh, cet endroit va me donner mal au crâne, c'est sûr. Alors. Nom d'un petit robot. Allez, balance. Et c'est quoi ce truc à ballon? Ce doit être ton jour de chance. Nous donnons ces gonfleurs de ballon gratuitement à nos clients. C'est notre anniversaire. C'est avec ça qu'on va rattraper. C'est autant de ballons que tu le désires. Merci beaucoup. Ok. Et ça, c'est une batterie. C'est quoi ça? Elle parle trop. Excusez-moi, Miss Electron, à quoi sert cette machine? C'est une machine à batterie. Tu peux m'aider à en faire si tu veux. Oh oui, j'aimerais bien. Ok. Regardez-moi ça. Une machine à batterie. Ok, Pousse-Pousse, tu peux me faire une batterie de 7 volts. Ok. Je vais commencer avec voilà. 5 volts. J'ai un ballon et une personne va sauter dans le vide. Je peux totalement me sauver. Bah oui, c'est bon. Faut faire plein de ballons, c'est tout. 2, voilà. 5 égale yes 7 volts. Ça y est, 7 volts. J'ai terminé, Miss Electron. Et du coup, on donne une batterie? Merci, Pousse-Pousse. Oh, ça non, servit à rien. Petit robot. Ok. Ça, c'est fait. Ah, ok. Waouh, cette zone de loisirs a l'air cool. Ok, vas-y, appuie sur le bouton. Comment ça fonctionne? Ok. Ça fait quoi si j'appuie sur le jaune? Oh putain. Salut. Attendez, faut que je comprenne là. Voilà. Mais pourquoi là ce serait le rouge? Pas. Attendez. Du coup là c'est rouge. Y a pas de logique. Ou alors c'est toujours le rouge pour avancer peut-être. Oh putain. Oh, ok, donc on se souvient. Là on avait fait rouge. Là après on a fait jaune. Après j'ai fait un rouge. Après j'ai refait un rouge.
couleur, on va faire jaune. Rouge. Non ! Allez. Ah, j'aurais dû t'écouter, Lert. On tourne le seum, là. Ok. Ok, donc là, on a fait jaune. Non, putain. Attendez, là, je suis en galère. Attends, mais là j'avais bien fait rouge, je comprends pas. Non, là j'avais fait jaune, ok. Quoi ? Attends. Tout à l'heure là j'avais fait. Je comprends plus rien. Là si je fais. On va essayer de faire deux fois rouge comme t'as dit. Rouge. Jaune, rouge, 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 jaune. Ok. Alors, on y retourne. Donc, hop. Du coup, là, on commence par quoi, vous m'avez dit ? Jaune. Ensuite, rouge et rouge. Ok. Là on était parti sur du jaune derrière. Et à toute fin j'avais fait un rouge je crois. Et du coup là c'est jaune. Allez. Je suis arrivé de l'autre côté. Mais c'est quoi la logique ? Vous êtes content ? Aïe 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 aïe. Ah ! Attendez, on va peut-être gagner un truc. Tu es sûr de... Putain. Alors... T'en sens dans ton fils ? Oh ! Mon boîte à goûter ! Bienvenue dans notre musée. Je suis Arthur Fissiel, le conservateur préprogrammé de ce musée. Mais tout le monde m'appelle Artificiel. Bonjour, je m'appelle Pousse-Pousse et je viens du passé. Je me demandais si on avait le droit de visiter. C'est acceptable. Prends tout le temps nécessaire. N'hésite pas à me poser des questions. J'y répondrai. Merci. Alors moi je veux ça. Mais c'est ma boîte à pique-nique. Excusez-moi, monsieur Artificiel. Il me semble Rends-moi que ma boîte à pique-nique. Vous exposez est à moi. Je suis désolé, mais je ne dispose d'aucune information indiquant que cette boîte à pique-nique t'appartient dans ma base de données. Elle a été fabriquée à 4 362 000 exemplaires à ton époque. Mais je suis sûre que celle-ci m'appartient, même qu'il y a une image de Pimpon le pompier dessus. Je ne peux pas te la donner, sinon je n'aurai plus de récipient de nourriture ancien à exposer. Et ben voilà. Vous trouvez un autre récipient de nourriture ancien. Vous me l'échangeriez contre ma boîte à pique-nique ? Oui, bien sûr. Génial ! Je crois que j'ai quelque chose qui va vous plaire dans ma boîte à gants. Tenez,
voici un récipient de nourriture ancien. C'est un très vieux bol en pierre. C'est une roue qui me l'a donné, il y a très longtemps, à l'époque des dinosaures. L'ère des dinosaures, tu dis incroyable! Cet objet sera désormais le plus ancien de notre musée. Tiens! Et voilà! Ah d'accord, ils sont même pas protégés! Merci! Génial! Voilà! J'ai récupéré ma boîte à pique-nique! Et plus qu'un objet! Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver Peps. Comme ça, le professeur pourra fermer la porte du temps. Allez! Deux boîtes de jouets d'enfants en place. Et il nous fallait quoi du coup? Peps. Peps, on a les ballons. Mais j'aimerais bien voir, ça se trouve, il y a des objets à prendre ici. Bienvenue dans la bibliothèque. Excusez-moi. Bonjour. Je m'appelle Pousse-Pousse. Je viens du passé. Je croyais que c'était une bibliothèque ici. Où sont tous vos livres? Mon Dieu. Tu viens du passé, n'est-ce pas? De nos jours, on peut trouver tous les livres sur notre ordinateur. Normalement, une fois que tu as trouvé ce que tu cherches, je t'en fais une copie. Mais nous sommes malheureusement à court de papier aujourd'hui. Au fait, je m'appelle Albert. Albert le bibliothécaire. Enchanté, Albert. Il l'a appelé Albert juste pour que ça rime 100%. Ok, donc il a pas de papier. Mais nous, on n'a pas de papier non plus. Enfin, on a la rédac d'histoire, mais on va éviter de l'utiliser. Aliment pour animaux. Oh putain, c'est encore un jeu de merde. Alors, c'est quoi ce jeu de merde? La nourriture est en cours de préparation. Ah merde! Super, merci! Alors là, là, à mon avis, ça doit être utile. Alors, attendez. Bienvenue dans l'animatromix. Oh, cette voix. La machine à faire soi-même des aliments pour animaux. Pour obtenir la nourriture pour animaux souhaitée, il suffit de reconstituer l'animal que vous souhaitez nourrir. D'accord. Alors. Et d'appuyer sur le bouton départ. Qu'est-ce qu'on voudrait, du coup? On va s'amuser. On a un chat, un dragon... Je sais pas trop. Ah mais attends, faut donner. Ok d'accord, je viens de comprendre. Alors le truc blanc. Voilà. Voilà, c'est ça. La nourriture que vous avez commandée sera bientôt prête. Allez, balance! De la nourriture instantanée! Je suis sûr qu'on va rien gagner, c'est de la merde. Ça sert à rien, c'est sûr. Allez, donne-lui! Hein, vas-y! Ah putain! Bon allez, on va chercher le truc hein, on a les ballons, on s'en branle, allez on se casse. Alors, il nous fallait quoi? Ça c'est bon, ça c'est bon. Le clébard. On va faire des ballons et on va lui donner. Allez. Mais attends, mais ils servent à quoi tout ce qui est forgeron et tout là? Ça sert à rien. Hey Peps! Allez, basta. Au pire, on regarde les portails qui vont, on peut aller dans le passé, le futur, le présent. Oui. Il y a plein d'endroits qu'on servit à rien, c'est un truc de malade. Donc là, c'est bon. On a tout là. Génial. On
dirais que j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Allez, Peps, on y va. Retournons à Tacoville pour le dire au professeur Éclair. Ok. Retournons à Tacoville. Vous savez quoi? J'ai réussi. J'ai trouvé toutes mes affaires. Sans oublier Peps. Félicitations, Pousse-Pousse. Je savais que tu y arriverais. Je vais enfin pouvoir vous montrer mes affaires de classe. Formidable, Pousse-Pousse. Mais je dois fermer la porte du temps une fois pour toutes. Arrêtons là les catastrophes. Quelle catastrophe? Je ne suis pas d'accord avec vous, professeur. Ça dépend de quel côté on se place. Personnellement, pour tout vous dire, je me suis amusé comme un fou. Je suis content que cette expérience t'ait plu, Pousse-Pousse. Mais si je m'en tiens à mes calculs, tu vas être en retard à l'école, à moins que tu ne te dépêches. Vous avez raison, professeur. Je vous montrerai ma rédaction plus tard. Voilà ma rédaction d'histoire. Je vais vous raconter tout ce que j'ai appris. Oh putain. Je vais me tirer une balle, ce jeu, j'en peux déjà plus. Mais c'était nul, celui-là il était vraiment pourri. Celui-là il était pourri. Oh la vache. Les deux premiers qu'on a fait, en vrai ça allait. Mais celui-là, oh là là. Attends, mais il raconte quoi là du coup? Oh, il dessine. Eh, hey, par contre il dessine comme moi, Pousse-Pousse. Bon, écoutez. Du coup, qu'on soit clair, ce live aura été bien plus court que prévu. Du coup, le live de ce soir, je vais devoir le commencer plus tôt, hein, pour rattraper le peu de temps qu'on a eu là. Oh non, arrête, t'arrives au moment où on arrête. T'es vraiment arrivé au générique. Oh non. Allez, bisous YouTube.